Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est avec Zozo alias Ken pour la journée parce qu'aujourd'hui, on s'en va visiter la première suite complètement Barbie à Montréal. C'est situé au Fairmont Reine Elizabeth et ils ont changé leur suite pour une suite toute en Barbie. Tout est rose, tout est thème Barbie. On a vraiment hâte de voir. On a tellement hâte de voir parce que il y a plein de communiqués de presse qui sont sortis, mais il y a littéralement une seule photo de la chambre. Puis c'est pas une photo complète, là. C'est comme une photo d'un mur. Puis une photo d'un petit buffet. Fait qu'on sait vraiment pas à quoi ça va ressembler. Mais on est prêt parce que là, je suis allée chercher de l'artillerie lourde au Parfait Expert et on va se transformer en Ken et Barbie. Donc, ça, c'est la première étape de la journée. Ensuite, on va se rendre et on va visiter. On vous amène avec nous. Yeah. C'est même pas encore ouvert. Fait qu'on est vraiment comme les pionniers, les premiers à mettre les pieds dans cette chambre. Alors, vraiment hâte. On va se transformer. Let's go! Première étape, transformation, let's go! Ok, là on est rendu au make-up. En fait, c'est la première étape. Je suis allée regarder les photos de Margot Robbie pendant le film. Puis c'est comme vraiment léger. Mais tu sais, il y a quand même un teint, c'est glowy. Dans ton cas, il va falloir rajouter beaucoup de couches. Ouais, je comprends. C'est un matin, c'est difficile. Puis on va rajouter des petites teintes de rose. Fait que, let's go! Toi, tu sais quoi, Kian? Moi, je vais faire juste un fond de teint qui fait en sorte que ma face exprime pas, j'ai envie de crever. Je comprends. On y va pour ça. Je vais faire la même. Let's go. Avant de partir de chez nous, j'ai trouvé ce blush-là de chez Bloom. Et comme la couleur, on dirait que j'avais pas eu d'occasion de la porter, mais là, c'est littéralement la meilleure occasion de le mettre. Genre, c'est rose Barbie, on va se mettre ça comme petit blush. Ok, aimez-vous ça le blush? Moi j'aime ça, je trouve ça vraiment cute. Puis là, j'ai trouvé aussi ce rouge à lèvres là que Mac m'a envoyé avec comme d'autres rouges à lèvres. Mais ça, c'est vraiment pas une teinte que comme je mettrais dans la vie tous les jours. J'étais comme, il me semble qu'il a passé, je voyais pas qu'il était en arrière de moi. Mais là, c'est littéralement la journée pour le mettre. Alors, let's go! Ok, voici le look de make-up final. J'adore! Ça fait vraiment Barbie. Et là, vous allez voir le outfit en plus. Vous allez crier, c'est on point! Ken est en train de se faire les cheveux. Ouais, Ken a des cheveux en plastique. Fait que ça brûle. Le nombre de gens qui pensent que Zoé a une perruque, c'est fucking trop. ou une permanente. Genre, pensez-vous que je me ferais les cheveux de même si j'avais la possibilité? Guys! Ok, alors voici mon fit. Et là, vous vous dites sûrement, mais c'est incomplet. En effet, il y a des accessoires qui s'en viennent. On vous montre ça. Voici Ken. Et là, vous vous dites sûrement, mais avec c'est incomplet, on a des accessoires. Regarde comment je suis sur un tête-là. Oh mon dieu! Premièrement, j'ai ça que là, j'ai mis après mes oreilles que j'ai en ce moment. Attends, comme ça. Mmh. Et là, check ça. Ça devient une old new boucle d'oreille. Ça se met. Ta-da. Première affaire. Deuxième affaire. Chapeau de cowboy, of course. Hey, il est tellement petit, c'est un matin, il ne rentre même pas dedans. C'est vrai. Il est censé tenir de même, genre. Ouais. Il n'y a pas l'air trop sorti. Non. Ok, bon. Il va être comme ça. On a même le floor. Fait que là, on va s'attacher ça dans le cou. Ça, c'est pour Zoé. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça, ça va être très cute. Et on va tout coller. Ok, là, on les met pas tout de suite parce qu'on s'en va marcher dans la rue pis comme... On va marcher comme ça. Vous comprenez. Mais, it's giving! J'adore! Ça, tu mets les lunettes aussi? Oui. Ben, on va essayer. C'est sûr que là, ça fait beaucoup de teintes de rose, mais... Moi, j'adore. J'adore. I'm just kidding. Anywhere else I'll be your turn. Là, je suis vraiment prête. J'ai oublié mes bottes de cowboy, mais par contre, mes dogs sont roses, donc... pas si pire. Mais je pense que je vais photoshopper des bottes de cowboy si on voit mes pieds dans les photos. Yo, à Montréal, là, les cônes sont rendus roses. Ça fit avec la journée. Ok, on est rendu. L'autre fois qu'on est allé au Ritz ensemble, il y avait quelqu'un qui nous ouvrait la porte et comme je me suis tellement sentie importante, je m'attends à rien de moins pour Barbie and Ken. Ah, c'est une porte automatique. Bon, c'est mieux que rien. Elle roule tout seul, j'imagine. Ou pas. Ah bon, merci! Well, ça va me contenir la porte. Merci! Attends, je la tiens à toi aussi. Merci! Merci!
suis déjà venue au Reine Elisabeth? On est venu la dernière fois, non? Non, non, c'est pas ici. C'est vrai, ouais, non, je pense pas que je suis venue. Moi non plus. Mon Dieu, on arrive! J'ai la carte. On y va! J'ai tellement hâte de voir. Oh mon Dieu! On dirait un set de film! Ah, c'est tellement grand! Oh mon Dieu! Ok, on va faire un petit room tour. Là, on va jouer à l'agent d'immeuble. J'ai même pas encore vu toute la place, fait qu'on va vraiment tout découvrir en même temps. Ici, à Yes, c'est comme la chambre. Oh mon Dieu! Même la salle de bain, genre le papier bain. Même la douche. Miroir Barbie. Oh mon Dieu! La douche. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Oh my god! Wow! Ok! Ok, garde-robe! Même les cintres sont roses. Cute! Une chambre aussi. Oh my god! Même le gros cadre avec toutes les Barbie. Je sais que t'as déjà écouté Barbie. Comment elle dit? Barbie reste au bord de la grille. J'ai écouté sur Netflix, c'est genre. Ouais, le Dream House. J'ai jamais vu. So good! Genre, je gardais les enfants, pis comme c'est la 8e fois que je l'écoutais, pis j'étais comme. Tu vas encore écouter ça, pis j'étais là. C'est cute, tu as une belle vue aussi. Très, très cute, ben oui. Je suis de ce bord. Une vue sur la ville ici. Même les livres sont de Barbie. Barbie à Londres. Oh, y a-t-il une Barbie à Paris? Barbie à Paris! Trop cute. C'est vraiment comme un décor de film, un peu. On dirait vraiment qu'on est sur un set de film, du coup. Ok, on continue. Ouais, il y a une autre chambre. Je pensais qu'il y avait seulement un lit. Non, c'est ça, c'est pour accueillir 4 personnes. T'as aimé cette chambre-là ou l'autre? Moi, je préfère elle. C'est plus. Ouais, avec, on dirait que c'est plus cosy, genre. Ouais, avec les murs plus foncés. Oh! Non! J'aime mieux rose. Cute! En plus, il y a plein de fenêtres dans celle-là. Très bien, très beaux éclairages. Un autre miroir Barbie. Ça, c'est quoi? Une petite étagère si tu veux mettre tes vêtements. Puis on a un garde-robe ici avec. Ouh! Une robe de chambre. Avec des pantoufles aussi. Oups! Non. Oh. Mais, quand même très cute. Oh, il y a une autre salle de bain, my god! Je l'avais pas vue vu qu'il y avait la porte en dessous. Ouh, puis elle est grande, celle-là, hein? Ok, ça, ça serait vraiment la chambre que je prendrais si je dormais. Non, ça serait moi. Désolé. C'est vraiment beau. Très, très cute! Ok, on va aller découvrir le reste. Ah, elle a. Ça, je pense que c'est un garde-robe, on est d'accord. On n'a pas déjà regardé dedans? Non, mais c'est comme un petit labyrinthe. Ok, la cuisine Barbie. Ah! Les ustensiles, les verres. Oh. Trop cute! Oh my god, ça, I want it. Oh, il y a du carton. Ah, mais il est vraiment dans pas allumé. C'est quoi? Ah, un truc à café. Il y a vraiment de la vaisselle. Les verres d'eau rose. Pardon, j'ai vraiment ça. C'est-tu des vraies bananes? Non. Qui étaient comme trop belles. Histoires des Barbies juste en haut. C'est cool, là. Si tu veux vraiment, genre, recevoir dans cette chambre-là, tu peux. Ouais, moi, ça serait vraiment nice. Genre, si tu veux faire une petite fête d'amis, là, genre, moi, à mes fêtes, j'ai peut-être invité comme 56 personnes, mais j'ai 3 amis. Fait qu'on prenait faire un petit party. C'est pour 4. Ok, mais la chambre principale, la pièce principale, so cute! Vraiment, avec la boule miroir pis tout. Les boules disco, les Barbie super rares dans des coffrets. Mmh. Oh my god! Et l'autre côté, le petit salon comme ça. Ça. Oh my god! Ça c'est trop cute là. Hey, ils nous ont même mis un ring light. Ben oui, c'est parfait. Pour faire du contenu. Oh my god, ça c'est tellement cute! C'est vrai. Tous les petits souliers que genre je mangeais quand j'étais petite. On s'entend-tu que les habillements de Polly Pocket et de Barbie? Moi, tout quand t'es mangé. Hein. Tout mangeait du savon d'eau. Trop cute! Mais c'est vraiment grand. Est-ce qu'il marche, tu penses?
Je pense que oui, il devrait. C'est comme l'entrée par-ci. C'est vraiment comme un gros carré, mais c'est énorme, là. Genre pour 4 personnes. Oh! Puis là, t'as un petit frigo avec des breuvages dedans. Il y a aussi une troisième toilette, ici. Fait que si vous venez à plusieurs, ben, vous pouvez tout chier en même temps. Ah! J'ai trouvé le goulot. J'en veux un peu. Oh, mais non, je suis malade. J'ai tout mis le goulot rose. Yuck! It's giving Barbie. Fait que là, on va créer un peu de contenu. Fait que là, on va habiller Zozo en Ken. Si je mets ça demain. À l'entour du cou. Demain. Ce serait très cute. Telle une chienne. Non, mais honnêtement, it's giving. Ouais. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, on va poster plein d'affaires. Ça va être super. Sexuel. Ouh, j'adore le look. Fait que là, j'ai découvert quelque chose de cool ici. Je sais même pas de quoi il parle. Donc ici, une switch. What? Quand tu cliques, ça allume la boule miroir, elle tourne. Non! Et oui. C'est tellement drôle que ça se passe. La Switch Disco Party. Oh mon dieu, j'adore. Et on ferait tellement des belles soirées karaoké. Mais non, je suis sûr que les voisins de chambre seraient vraiment heureux. Les voisins de chambre en chambre à John Lennon qui essaie juste de faire un bed in, genre. Nous on est là, on chante du mal, Chantal tout. On est en train de commencer à créer du contenu. Puis là, il y a un monsieur, il rentre dans la chambre, mais genre, il cogne pas là. Il rentre. Là, on est comme... Allô? Il est comme, est-ce que Morgane est là? On est comme, non. Non? Il dit, Morgane, je suis comme, non. Il dit, t'es-tu notre invité? Je suis comme, oui. Il est comme, ok, mais où Morgane? Je suis comme, je sais pas c'est qui Morgane. Il dit, t'es là, ma fille, je voulais dire bye. Je suis comme, mais, je suis pas Morgane. Puis il était comme, ah, oh. Puis il restait là, oh, puis j'étais comme, Morgane m'écoute. J'étais comme, ben, bye. Donc c'est déjà la fin de notre visite. J'espère que vous avez aimé les petits extraits que je vous ai mis du contenu qu'on a fait là-bas. Si vous ne suivez pas, suivez-nous si c'est pas déjà fait. Nos handles sont à Pascal Deblois, à Zozo Duval. Et d'ailleurs, on a un canal, on partage ensemble sur Instagram. C'est comme une espèce de conversation sur Instagram. Vous avez juste à aller genre sur mon profil ou le profil à Pascal. Puis tu intègres le canal, c'est une espèce de convo où est-ce que moi et Pascal, on se parle entre nous, on vous parle à vous. Et vous pouvez tous voir les messages, vous pouvez réagir. Et comme ça, on sait que vous avez vu les messages. Puis on va même dropper des grosses nouvelles secrètes là-dedans dans les prochains jours. Fait que... Puis même des petites, là, les gens qui sont dans le canal savaient d'avance quelle vidéo on allait sortir aujourd'hui. C'est vrai. Ils savaient où on allait aujourd'hui. Ils ont même eu des petites photos en primeur. Yes. Donc, si vous voulez faire partie de cette grande famille-là, allez le faire. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bye!